Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi appartenir à une église? C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis chargé de ministère à l'église protestante de Genève. C'est une démarche qui est relativement nouvelle, hein, parce que pendant plus de 15 ans, je me suis éloigné de l'église et de l'institution. Et finalement, j'étais assez méfiant envers les institutions, eu égard à certaines discriminations et certains préjugés que j'avais vécu au sein de l'Église dans mon adolescence et dans ma vie de jeune adulte. Et c'est vrai qu'en ayant fait tout ce cheminement d'acceptation de moi et finalement de déconstruction des enseignements religieux que j'avais reçus pour arriver à cette virginité dans l'essence même de ma spiritualité, j'ai réalisé à un certain moment que c'était important de faire un travail, de retourner à l'église et de faire un travail dans l'institution. Parce que finalement, c'est là que les choses doivent être changées. Et c'est aussi au sein même de cette église que moi, je peux contribuer en y apportant une vision nouvelle, en y apportant mon vécu, la richesse de mon parcours, hein, autant avec les belles choses que j'ai vécues que les moments plus difficiles. Et que je me sentais prêt à pouvoir apporter ces choses au sein de l'Église. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir partager cette vision commune avec une Église, avec mon équipe du lab qui m'entoure. Et je réalise l'importance de pouvoir, de pas cheminer seul, mais de faire partie d'une communauté qui partage des valeurs et qui est prêt à me soutenir et à échanger avec moi. Et j'apprends tous les jours au sein du travail que je fais et de la richesse que m'apportent les personnes autour de moi au lab et à l'EPG.